Bonjour à tous, bienvenue sur Christophe et sa cuisine. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une quiche Lorraine pour 4 personnes. Pour cela, vous aurez besoin d'une pâte à foncer avec 160 g de farine, 80 g de beurre, un œuf, une pincée de sel. Vous aurez aussi besoin d'un appareil à crème prise salée, réalisé avec 120 g de crème épaisse, 120 g de lait, un œuf et un jaune d'œuf, avec comme assaisonnement du sel, du poivre et de la muscade. Pour garniture, 80 g de gruyère râpée et 100 g de lardon. Commençons par notre appareil à crème prise salée. Vous allez dans un premier temps mélanger votre crème épaisse et votre lait. Ensuite, battre l'œuf et le jaune en omelette, puis l'incorporer dans votre mélange crème épaisse et lait. Et pour finir, vous pouvez rajouter votre assaisonnement sel, poivre et muscade. Il est temps maintenant de préchauffer notre four à 180 degrés. Pensez à bien beurrer un cercle à tarte ou un moule à tarte. Attention, notre cercle à tarte est pour 4 personnes, donc 18 cm de diamètre. Si vous avez un cercle beaucoup plus grand, bien sûr, multipliez la recette par 2. Un grand merci à Adil qui a été mon assistant du jour pour cette recette. Il est temps maintenant d'abaisser votre pâte à foncer, comme le fait actuellement Adil. Une fois votre pâte abaissée à environ 2 mm d'épaisseur, vous allez pouvoir foncer votre cercle et pincer votre bord de tarte à l'aide d'une pince à tarte, comme on l'a déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne lors d'une réalisation soit d'une quiche, soit d'une tarte sucrée. Une fois les bords régulièrement pincés, pensez à passer votre doigt autour du cercle pour pouvoir faciliter le décerclage après cuisson. Nous allons maintenant mettre la garniture. Pour cela, commencez par le gruyère, puis rajoutez les lardons,
et pour finir, votre appareil à crème prise salée bien mélangée. Allez, il est temps maintenant d'enfourner notre quiche dans un four chaud à 180 degrés pendant environ 35 minutes. Et voilà, après 30 à 35 minutes de cuisson, votre quiche Lorraine est maintenant terminée. J'espère que cette recette vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Christophe et sa cuisine. En attendant, bon week-end et à bientôt. Au revoir.